Et salut à tous, on se retrouve sur Royal Cube. Juste pour donner quelques nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps où il n'y a pas eu de vidéo et tout. Tout simplement, il n'y a pas eu de vidéo parce que ce sera la seule vidéo qui va être postée avant le 20 mars, parce que je passe tout simplement mon brevet blanc. Alors du coup, j'ai décidé de faire une petite pause pour réviser un peu. Oui, je sais que 3 semaines c'est un peu long, mais bon, voilà quoi. J'ai quelques vidéos déjà prêtes pour le 20. Donc, du Pokémon Platine surtout, j'ai modifié quelques trucs. Bon bref, c'est pas ça le problème. Ah oui. Donc déjà, nouveauté chez moi. Donc on va commencer par la ferme à squelettes. Donc déjà, il y a une descente un peu plus pratique. Enfin, une montée surtout plus pratique. Mais aussi, Taurap a opti la farm à squelette. Juste deux secondes. Voilà. Donc, si on veut farmer les loots. Là, bien sûr, il n'y a rien. Si on veut farmer les loots, on active ça. On prend quelques os. On y met. Dans les eaux, et vous allez voir, ça s'est stacké. Donc en fait, il a fait une ferme assez optimisée. Les eaux sont où? Ils sont là. Donc voilà, donc là les eaux, voilà, donc ça se stack. Donc en fait, ça a été tout opti. Si on veut faire une farm à XP, on ouvre, on attend les squelettes et tout. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique. Il a fait aussi un petit ascenseur à eau pour remonter un peu plus vite. Mais bon. Pour l'instant, on va fermer la farm à squelettes à XP parce que. En fait, on a fait surtout ça pour pas qu'il y ait vraiment beaucoup de mobs, enfin d'entités en bas, pour pas que ça fasse laguer le serveur. Donc du coup, voilà. Ensuite. Nouveauté, bon c'est long, c'est vrai, mais bon voilà quoi. C'est quand même plus pratique que les échelles. Enfin, je sais pas trop en fait. On dirait qu'on fait du sur place. Allez. Ouais, c'est presque aussi long, mais bon. Donc, comme vous le voyez, oui bien sûr. Comme vous voyez là, il n'y a plus de coffre. Bon, là il y a toujours les coffres à potions, il y a les branchantes que j'ai triées. J'ai fini le design de la salle des potions. Il a fini les pots. Enfin, la machine à potions, il faudra juste quelques combustibles en plus. Ensuite, nouveauté, bah, j'ai un beacon, mais je sais pas si je vous l'avais montré. Je crois pas. J'ai un beacon de speed et régène, comme ça au moins si j'ai perdu des cœurs en me combattant contre Taurap ou n'importe, parce qu'on fait quelques petits combats des fois. Je perds des cœurs, bah je viens chez moi. Aussi, là vous voyez, il y a une descente et tout simplement il y a ma salle des coffres qui est assez bien rangée, sauf là j'avais plus de place donc j'avais pas tout rangé. Sinon voilà, hop là il y a tout. Voilà, donc c'est assez. En parlant de ça. Prendre des côtelettes. Voilà, donc c'est assez bien rangé. Là, il y a les minerais. Je vais vous faire un petit piraticule. Voilà quoi, un petit récapépète, comme on dit. Des minerais que j'ai. Donc là, on a 25 blocs et 2 diamants. 51 blocs. 5. 53, pardon. 53. 53 blocs de fer. 39 blocs d'or. Bilingo, 11 nuggets. La redstone, le lapis qui va bientôt servir. Vivement la nouvelle snapshot. J'arrive pas à mettre le serveur en snapshot, mais bon, de toute façon. Certaines personnes lag, mais bon, comme ces certaines personnes ne viennent plus, on n'est que deux actifs pour l'instant. Ouais, on n'est que deux. Et encore, Toap ne vient pas souvent.
Parce que les cours ont repris, alors du coup, ils ont pas trop le temps et tout. Voilà, donc nous on est toujours en vacances. Et oui. Ensuite, gros changement. Gros changement. Bon, pas au village. Mais comme Thorap a décidé de plus s'installer chez moi, il a fait une petite maison. Assez sympa. On va aller voir ça tout de suite. Ah oui, donc ça aussi, on a fait ça pour aller plus vite. Donc on a commencé à mettre des traps. Mais bon, on n'a pas fini. Voilà, c'est pour aller petit, faut plus vite. Donc on a récupéré ça vers la patinoire. Non, chez Skip. Oui, parce qu'en fait Skip est parti, donc du coup il a légué tout son stuff. C'est pour ça que j'ai une pioche Skill Touch, une pioche Fortune 2. Voilà, donc j'ai ça. Donc ça, je crois que c'est lui qui me l'a donné. Voilà, Sharpness 5, Unbreaking 3, Fire Aspect 2 et Looting 3. Voilà, efficiency, fortune, skill touch, bon ça c'est moi qui l'ai fait. Son arc aussi j'ai pris. Voilà. Ah oui, sa canne à pêche, je vous fais voir aussi. Je me demande bien, il a dû farmer comme un porc pour avoir tous ces changeantes. Voilà. Donc comme vous le voyez, bon déjà il y a un petit bug d'affichage, faut attendre. Mais bon, voilà, donc là il y a son petit nan. J'avais mis des conneries dedans, ouais c'est ça. Comment on descend, ah oui. Donc là voilà, donc là j'avais fini son chemin parce qu'il était pas fini. J'ai fait un peu de conneries avec la TNT comme vous le voyez. Je me suis bien cassé la gueule en descendant par contre. Il a fait un petit volcan artificiel. Bon c'est sympa. Ça aussi c'est moi qui fais un petit prank. J'ai mis des coffres un peu partout. Je me suis dit ça peut être sympa en plus comme c'est des demi-dalles. Et bah voilà, les coffres ils sont surélevés. Quelques coffres qui sont remplis. Voilà. Voilà, j'ai été sympa. Voilà. La vidéo sera pas très longue, hein, c'est juste pour les récapitulatifs de ce qui s'est passé sur le serveur. Donc il a déjà eu son beacon parce qu'il vers les premiers jours il a farmé pour avoir les têtes. Donc voilà, donc ça c'est moi qui me suis amusé. Heureusement que j'avais de l'eau pour descendre. Mais j'ai pris une sacrée chute quand même. Parce que je suis. Déjà j'ai mis du temps à récolter toute cette poudre là. Mais bon, ça me fait rien de faire des pranks comme ça. Ah oui, donc là il a construit sa map. Il a fait de grosses choses, hein. Je lui dis chapeau. Surtout en si peu de temps. Il a dû mettre 2 semaines à faire tout ça. À tout casser. Là, y a quoi? On va reboucher là. Et hop, parfait. Pas mis de la glace jusqu'au bout. Ah oui, si je vous ai déjà fait voir la canne à pêche. Donc on a condamné chez Skip. Ensuite les autres, je crois qu'Adrien a avancé un peu. Ah oui, on a fait un truc aussi. On a aménagé là. Pour l'instant. Mauvaise idée, c'est pas de ce côté. Je sais plus pourquoi on avait fermé. Hop là. Merde, on a cassé un truc, moi c'est pas grave. Voilà. Et hop. Donc là, c'est bien ça. Et hop là. Donc là, on a aménagé. On a. Ah ouais, j'avais pas vu s'il avait fait avec le quartz. Je crois qu'on avait fait n'importe quoi avec le quartz. Bon bref, on a aménagé, on a récolté tout ce qu'il fallait. Je crois que le plus chiant à faire, ça a été quand même les murs, parce qu'on a dû farmer comme des porcs le quartz, mais bon ça va, j'avais de la fortune. Donc ça allait assez vite. Pourquoi je suis là, moi? C'est pas là où je voulais aller. Ah oui, j'ai la trappe à mettre.
Ma petite pioche. Ah oui, donc eux, ils ont toujours pas de... Voilà, ils ont pas de glace. De toute façon, ils viennent presque plus, alors... C'est un peu mort, le serveur, en ce moment. C'est un peu chiant, mais bon. C'est pas grave, moi, je m'amuse à faire des constructions. C'est sympa. Donc là, on est chez lui. Hop, hop, hop. Ah oui, alors je vous ai pas dit qui est parti. Donc on a Skip qui est parti. On a Kazé qui est parti. Kazé, oui, c'est Kazé. Oui, c'est ça, c'est Kazé. On a Primel qui a rejoint un serveur Feed the Beast, alors du coup il vient plus. Puis voilà, après les autres, je sais pas ce que je pense qu'ils ont cours. Donc voilà, donc là il a fait une petite cheminée assez sympa. Dans sa maison qui ressemble totalement à celle du spawn. Une petite rivière, assez sympa, avec un petit pont, un petit élevage. Qu'est-ce que tu veux toi? D'accord, mauvais. Ouais. Côtelette. Donc. Un petit champ, une farm à poules, enfin à œufs. Là-bas, je crois qu'il y a des chevaux ou. Non, c'est des enclos. Un cochon, à vache. Pas beaucoup de vaches. Un bébel. Un enclos, je ne sais quoi. Des chambres d'amis ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, quelques chambres d'amis. Un petit ponton, assez sympa. Sa salle des coffres qu'il est en train de faire, un peu comme. Un petit peu sur le thème d'Aurélien Sama, je crois qu'il m'a dit. Ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Il a fait aussi. Bah, je crois que j'étais jamais venu chez lui entièrement. Il a fait une ferme à poulet. Cuit. Voilà. On va en prendre. Hop là, merci bien. De toute façon, il vient plus. Firem à poule, d'accord. Je sais pas qui c'est qui a marqué ça. Voilà, donc vidéo assez courte. Je pense finir là-dessus. Il n'y a pas eu de changement. C'était juste pour les nouveautés. Hein. C'est là. Je vais aller reposer ça. Hop là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? D'accord. J'ai eu un lac, parfait. Voilà, je préfère ça. Excusez. Donc voilà, donc c'était juste un petit récapitulatif des nouveautés, qu'est-ce qui s'est passé sur le serveur et tout. Hop, donc là, on va. On va reboucher. Là, c'est le bloc de quartz. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas eu grand-chose. Donc je vais vous répéter, alors les vidéos Pokémon devront sortir le 20 mars, enfin la première vidéo que, enfin la première où je reprends mes vidéos, c'est le 20 mars. Voilà, donc là c'était juste une petite vidéo déjà nouveau, enfin annonce et visite entre guillemets du serveur, enfin nouveauté du serveur. Voilà, donc la vidéo est pas très longue, hein, 15 minutes. Il a oublié les buissons là. Ah mais je crois qu'il peut pas. 1, 2, 3. Moi aussi ça marche bien. Ah non puisque la salle est impaire. C'est chiant. Mais bon bref. C'est pas grave. Je vais te casser de l'obsie.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, je vous dis au 20 mars. Normalement, la vidéo devrait être upload dans la semaine du 15. On est le 14. Hein. Donc, voilà. Donc, pas de vidéo avant le mardi et mercredi 19 et 18. Parce que j'ai le brevet blanc. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!